Cela fait 4 ans déjà que Nguyen travaille ici. Avant de signer son contrat de magasinier dans cette entreprise de construction, il a été victime de discrimination. J'avais fait le stage à la Commission européenne. Enfin, j'avais la chance de pouvoir le faire. Je me suis présenté au bureau d'intérim qui devait recruter des intérimaires. Et on m'a tout simplement dit, ah, vous devez attendre un an avant qu'on vous engage. Ici, la diversité, on la cultive depuis une dizaine d'années déjà. Sur les 22 employés, on compte 10 origines différentes. Une diversité qui commence dès l'entretien d'embauche. Nous envoyons nos offres d'emploi où on détermine ni le sexe ni l'âge et certainement pas l'origine des personnes. Et on reçoit toute personne, il n'y a aucun filtre qui est fait. Et dans un secteur d'hommes comme la construction, l'entreprise pousse la démarche encore plus loin. Sur la totalité des employés, le tiers sont des femmes. Lucita, elle, souffre d'un handicap moteur. Elle est consciente des barrières à l'embauche. J'entends dehors, c'est beaucoup de personnes, rencontrent ce problème. Mais pour moi, comme je dis, je suis très heureux parce que c'est mon âge et très disabilité. Encore, j'ai la chance pour engager dans cette entreprise. Aujourd'hui, les mécanismes de sensibilisation à la discrimination existent, mais sont pourtant trop peu utilisés. Seulement une centaine d'entreprises y ont recours à Bruxelles.